Verger-la-Croix, Saint-Joseph-du-Lac, prenez une photo du gros panier de nourriture. C'est ça. C'est quoi ton nom? Bruno. Préposé au stationnement au Verger-la-Croix. Oublie pas que ça me prend la pancarte en arrière, Carl. Tu regardes lui, là, aussi. OK? Jean-Pierre, toi, est-ce qu'on dit que t'es un Iron Butter, un Iron Butterfly? C'est quoi un Iron Butter? C'est un membre de l'association Iron Butt qui fait des épreuves d'endurance. C'est des l'épreuve minimum, c'est 24 heures, 1000 en 24 heures, c'est donc 1600 km. Et les autres épreuves vont jusqu'à des 5000 milles, 5 jours et autres. Il y a le rallye, entre autres, là, mais moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui vont chercher des certificats. Par exemple, Halifax, Vancouver, l'épreuve qui s'appelle Trans-Canadian. Moi, je l'ai fait Trans-Canadian Gold en bas de 75 heures. Tu as fait Halifax, Vancouver, en bas de 75 heures. En 65 heures, en fait. Et monsieur, donc à Vancouver, tu prends vraiment un massage pour le fessier? C'est fou. Comment vous faites pour les surveiller, là, pour qu'il n'y ait pas de tricheurs? Ben écoute, il y a une partie, c'est la bonne foi. Mais il y a une autre partie que, effectivement, ce qu'on leur demande de faire, c'est très difficile de tricher soit d'avance ou en route parce que on prend le rodomètre au départ, on prend le rodomètre à l'arrivée. Il faut qu'ils notent tout en cours de route dans ce qu'on appelle le rally book. Et nous, c'est sûr qu'à la fin, on fait le pointage et on fait une double vérification par après. Alors, on prend ça au sérieux. Affaire à une moto de 32 chevaux, c'est un moteur électrique de type brushless. C'est très très doux comme comportement. C'est tout pour le show de moto aujourd'hui. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On vous présente les côtés positifs et négatifs de la moto avec des piles. La moto électrique Zero Motorcycle. Alors, vous allez être au courant.